Bruce. Bruno. Bruce, nous allons y aller avec votre question. D'ailleurs, juste avant cela, vous savez que j'ai des fiches et je vais vous la montrer. Attention les amis, ce qui va se passer maintenant, c'est un grand moment de télévision. Commencez à brancher les enregistreurs. Ça. Regardez, regardez ce qui est écrit sur la fiche. Et qu'est-ce que fait Bruce? Bruce Lee. Merci, thank you. Hey. Une séquence. Wow. Il vient de perdre. Ah oui, non, mais attention. Ça, si on a moins de 40 ans, cette vanne passe. Une séquence réalisée sans trucage. Évidemment, bien sûr. Je confirme, bravo. J'aurais même dit une séquence karaté. Allez, on y va pour la première question. Sinon, il y a des messieurs en blouse blanche qui vont venir et qui vont m'emmener comme ça. Bruce, oui. Si vous dites à Marie-Aude, ça, un jour, ça finira à la poubelle. Les effets spéciaux, hein, c'est et, fou. Hein. Oui, ils sont forts. De quoi parlez-vous? Alors, désolé Marie-Aude, elle a un doudou qui est une vieille couverture qui doit avoir environ 25 ans. Ouais, mais un doudou. Hein. Qu'elle n'a jamais lavé. Mm-hmm. Je l'ai empêché de venir avec ce matin dans le train, quand même. Mais donc, elle dort constamment avec. Et pour, si de vrai, pour de vrai, vous voulez venir avec hein. Elle est capable. Ah, en gris-gris, genre, ça me porte chance. Non, parce qu'elle en a besoin pour dormir, pour se rassurer probablement. Mais c'est une puanteur, quoi, c'est une infection. Pour peu qu'il se retrouve entre elle et moi la nuit, quand je me tourne, je me bats. C'est... Bah, au bout de 25 ans, oui, je me doute que. J'essaie tantôt d'arracher des morceaux pour le laver, mais elle a l'air cool. Donc, son doudou partit bon, à la poubelle. Le doudou, très bien. Kevin. Merci Brigitte. En fait, Brigitte, c'est ma belle-mère. Mmh. En fait, elle nous a offert un jour pour Noël un cadre. Enfin, un cadre, une peinture d'une cascade fluorescente. Ouais, une croûte, quoi. Une croûte, voilà, en gros. Et Aurélie voulait qu'on la mette dans le salon. Ah. J'ai dit non, on la met pas là. On la mettra dans la chambre d'amis, comme ça, je la verrai jamais. D'accord. Mais forcément, quand votre belle-mère vient à la maison, vous sortez le tableau et vous le mettez dans le salon pour faire genre un peu comme dans le film, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. C'est ça. Bon, le tableau donc offert par Birgit. Aurélie. Alors moi, ça serait plutôt mes peluches, parce que quand j'étais célibataire, je dormais avec beaucoup de peluches. Donc je pense que ça l'embête pas mal, les peluches, parce qu'il les jette comme ça. Mais à 30 ans, est-ce qu'à un moment, on se dit pas qu'on pourrait aller toute seule faire pipi au sanitaire et dormir sans peluche? Moi, attention, je ne juge personne. Mais quand même... Bah non, moi j'ai peur du noir. Alors. Puis bon, quand il dort, il me prend le dos. Oui, c'est ça. Bon, Kevin, est-ce qu'il nous a parlé des peluches? Le tableau dans la chambre d'amis. Mais je pensais pas aux peluches, parce que les peluches, justement, elles sont déjà parties. Mais non, il y en a deux, il y en a comment paraît-il. Ça va, comparé au début, on avait 10. Tout ira bien, promis. On est là. Ça va. Marie-Aude. Alors, moi, sans hésitation, mon doudou qui pue. C'est marrant, parce que c'est exactement le nom qu'il nous a donné, doudou qui pue. Est-ce qu'on peut regarder, Bruce, le petit panneau? Non, dans l'autre sens. Mais est-ce qu'il a un nom, ce vieux doudou qui pue? Doudou. Voilà. Et voilà. Doudou qui pue, c'est voilà. Son famille qui pue. Bah voilà, parce que je le lave pas en fait depuis que je l'ai, donc depuis tout petite, je ne l'ai pas lavé. Eh ben on salue Doudou qui pue, en tout cas. Magnifique nom de famille. J'ai enlevé mon doudou. Ah, c'est un slip que j'avais. Pardon, attendez, parce que il y a une autre information qui vient de tomber à l'instant sur nos écrans. Tu vois, en parlant de ton doudou qui pue, toi c'est une couverture, moi c'est un slip que j'avais quand j'étais. Mais que j'avais pas mis, hein. Attendez. Vous aviez un slip pour doudou, un slip qui pue? Vous êtes de la même famille, la famille des qui pue? Non, mais c'était un slip avec Barbie dessus, mais je l'avais jamais mis, mais c'était mon doudou. Ah, donc t'as de la chance, je l'ai enlevé, les dents Pikachu. C'était un slip à vous, c'était un beau slip petit ou c'était... Oui, c'était un slip que j'avais connu. D'accord, très bien. Mais qui avait été à lever avant. Oui, bah si elle a envie de mâchonner un slip, alors... Un moment, ouverture d'esprit, quand même.